relaxation. Le futur est détente, détente. Salut les SMROcars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé un excellent Noël et je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de relaxation. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de parler tout simplement de mon Noël, de ton Noël. On va discuter de comment ça s'est passé, ce que j'ai mangé, les cadeaux, etc. Ce sera vraiment une petite vidéo un peu mise à jour sur les fêtes de Noël, vu que j'étais pas très présent. Je voulais discuter tout simplement avec vous de ce Noël que j'ai eu en 2017. Alors, tout d'abord, j'ai passé un excellent Noël, c'était super. J'étais chez ma sœur. J'étais invité donc chez ma sœur et on a mangé comme d'habitude le traditionnel repas de Noël qu'elle avait préparé avec soin et c'était d'ailleurs délicieux. Merci à ma sœur. Et avant de passer à table, nous avons participé à une messe dans une église. Je viens d'une famille croyante et du coup on a l'habitude effectivement d'aller à l'église avant de festoyer à ce réveillon de Noël. Donc voilà, ça a été vraiment top, on a chanté, bien mangé et on a eu des cadeaux, enfin ma sœur m'a offert des cadeaux. Donc je vais vous les montrer et comme ça on fera quelques déclencheurs, quelques bruits ASMR avec ces objets si ça te tente. Alors premier objet. Premier cadeau du coup que j'ai eu pour Noël. C'est un parfum, une diesel, que ma sœur m'a offert. Et elle a eu raison de me prendre ce cadeau parce que je suis quelqu'un effectivement qui m'offre jamais de parfum. Je suis pas très fan de parfum. J'aime bien en mettre de temps en temps. Mais de là aller acheter mon parfum, c'est très 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 rare. Du coup, je suis vraiment très très content. Et en plus, on jouit d'un bruit de tapis absolument délicieux. En tout cas, j'espère que toi aussi t'as passé un excellent Noël. J'espère que t'as bien mangé. En fait, pendant ces vacances de fin d'année, on mange tous bien et on prend tous à peu près 2 ou 3 kilos. Avec tous ces repas chargés en calories. Mais bon, c'est pas grave. On a toute l'année après pour s'en remettre. Donc voilà, j'espère vraiment que toi aussi tu t'es amusé, que t'as bien mangé. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment s'est déroulé ton Noël. Je suis curieux de savoir si ça s'est bien passé. N'hésite pas à me mettre en partie commentaire comment s'est déroulé ton Noël. Je suis vraiment curieux de savoir comment tu as fêté ce 24 décembre. Ou d'ailleurs, si tu le fêtes le 25, parce que je sais que certains réveillonnent le soir et d'autres préfèrent fêter, célébrer Noël le 25. Moi, dans ma famille, on fait les deux. C'est vrai qu'on a tendance à accentuer sur le 24 au soir. Mais le 25, on a l'habitude de bien manger aussi. Relax, joyeux Noël à tous. Ok, on va ouvrir la boîte. J'adore le bruit du tapping sur le verre. Relax. Je vous souhaite à tous du fond du cœur
bien, vous allez en avoir besoin pour la rentrée. L'hiver ne fait que commencer. Chaleureusement toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne récemment du fait de mon apparition sur Viceland TV. Alors je sais que vous êtes nombreux à tout juste arriver sur ma chaîne de relaxation après peut-être une grande surprise lors de mon passage sur Viceland TV, l'Instagram de Viceland et également le Facebook de Viceland. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur cette chaîne de relaxation à tous ceux qui ont été curieux et qui sont venus jusqu'à moi sur cette chaîne. Merci à vous et bonne détente. Détente. Relax. Relax. Relax, relax. Relax, relax. Sœur, je lui fais un gros bisou, merci Sabrina. Elle m'a offert, enfin, cadeau de ma sœur, on va dire que c'est un, ce sont des cadeaux du Père Noël, pardon. Elle m'a offert un peu de jean de chez Mango. J'en avais pas encore. Je veux dire que pendant longtemps, j'ai été en situation d'obésité, donc du coup, je sais pas trop m'habiller. Du moins aller dans ce genre de boutique parce que bah, y avait pas ma taille. Maintenant si, même si pour la petite histoire j'ai pris quelques kilos depuis que je suis rentré d'Australie et que je pense que c'est sûr même qu'il faut que je perde une taille malheureusement. Donc en fait ça va être mon objectif 2018. Le jean rentré dedans. Mais je pense que d'ici fin janvier ça devrait le faire. En tout cas je l'adore. Ma sœur me connaît bien parce que c'est un slim stretch. Moi c'est vraiment tout ce que je mets. J'aime bien avoir le jean collé sur la peau. J'aime pas quand ça flotte, dirons-nous. Et donc avec ce jean je vais vous proposer du scratching.
un secret, j'ai du 44. Enfin, normalement, quand c'est pas Noël et les fêtes, je fais du 44. Ah, je dois plus faire un 46. Je vais maintenant continuer cette vidéo avec cette énorme boule de Noël que certains d'entre vous vont reconnaître car je m'en suis servi pendant le tournage de Viceland et je trouve encore une fois qu'elle émet un son parfait pour la relaxation.
nous sommes déjà en 2018. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.